Salut à tous, salut à toutes, c'est DrK36 pour la suite du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors comme premier, ce qu'on va faire pendant cet épisode, c'est qu'on va un petit peu écumer la région, faire des quêtes secondaires. Et là je me suis rendu à l'auberge de la Croisée des Chemins, là où on devait se rendre au tout début de la map pour rechercher Hendrik. Et ici il y a le panneau d'affichage, il y a une mission. Alors ce que je commence à comprendre, c'est que là il y a des avis, des indices peut-être éventuellement sur certaines quêtes. Puis là c'est l'émission évidemment avec, le petit seau qui est en bas. Donc là c'est disparu Michael, mon frère Michael a disparu, quiconque le trouvera ou découvrira au moins ce qu'il est advenu de lui se verra remettre une jolie récompense. Et je toucherai en prime un bon mot au baron. Vous me trouverez à l'auberge de la Croisée des Chemins, signé Bruno. Bon. On va signaler comme ça un peu plus au baron, pourquoi pas, moi je voulais prendre cette quête. En plus de ça, on va voir où est-ce qu'elle se trouve, on va juste aller parler à Bruno dans l'auberge droit derrière, mais on va visiter ensemble quelques points d'interrogation, c'est des lieux d'intérêt, il y a souvent du stuff, des bandits, enfin deux trois choses à faire. Et puis je vais monter un petit peu l'épisode en sorte que bah voilà, s'il se passe rien, que je galope à travers la forêt, bah je ferai des petites coupures et puis on se reprendra de fil en aiguille. Je le signalerai pas forcément, ça sera peut-être un peu plus fluide comme ça. On va tenter. Donc allons dans l'auberge, voir ce que Bruno a à nous dire. Paysan bourré. D'accord. Bon, ils aiment pas le baron, on a compris. Un paysan. Il est où le Bruno? C'est lui? Oui. Un sorceleur? Il était temps. J'ai cru comprendre que vous aviez un contrat pour moi. Oui, c'est mon frère, Michael. Une semaine qu'il est parti dans les collines avec les femmes de Braillard. Les femmes de Braillard? Un village riche, Braillard, avant que la guerre passe par là. Eut incendié, garde-manger pillé, hommes enrôlés de force. Les femmes ont été laissées sans défense, ni vivre ni abri. Personne n'en voulait. Les Rédaniens leur ont fermé les portes de Novigrad. Alors Michael les a conduites aux vieilles mines, pour qu'elles soient au moins à l'abri de la pluie. Mais depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Ouais, c'est quoi la récompense ? Je pourrais m'en occuper si vous payiez plus. Ah ouais? Ah, je voulais pas spécialement négocier. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Il y a un niveau d'agacement. On va essayer 50 en bonus. C'est un peu trop cher pour moi, sorceleur. Bon. C'est comme ça. D'accord. Bon. C'est la vie de mon frère qui est en jeu. J'accepte. Alors on y va? Entendu. Je vais tâcher de trouver votre frère. Comment le reconnaîtrai-je? C'est pas difficile. C'était le seul gars dans une troupe de filles. Ouais, effectivement. L'état des corps ne permet pas toujours de déterminer le sexe. Les corps? Dites pas ça. Ils se sont perdus, c'est tout. Mais s'il faut envisager le pire... Ben... Il porte des bottines en cuir d'agneau de maître Godillot. J'ai dit de pas porter ça pour crapahuter dans les collines. Un coup, elle est salopée. Mais elle en était si fière. Je pense que j'en sais assez. Merci. Bon. J'espère que j'ai le niveau pour faire ça. En rapport avec les mobs, j'imagine si c'est dans les collines, il y a encore des bêtes ou des ghouls et des trucs assez méchants. Où est-ce que ça se passe? Ça c'est le Baron Sanglant, c'est la quête principale. Il faut peut-être que je l'affiche en fait. Que je la sélectionne dans les quêtes secondaires. Contrat de sorceleur. Ah, je crois que c'est peut-être pas le moment de faire ça. Niveau 33. Oh là là, je m'attendais vraiment pas à ça. Dans les quêtes secondaires, j'ai encore complété les collections de cartes de Gwynt. Et bah si j'ai l'occasion de faire une partie de Gwynt, je vais m'y mettre gentiment. Chez la chasse à la sorcière à Velen. Trouver la sorcière par vos propres moyens, demandez aux habitants de Aubreuil où elle réside. Oui, c'est parce que dans les notes d'Hendrik, il y avait ces mentions de, justement d'une dispute entre Ciri et une sorcière. Ou au juge. Gérald l'ignorait. Il faut demander le chemin aux autochtones. Alors, où est-ce que ça se passe, cette histoire, comme ça, en route? Je pourrais aller visiter deux, trois choses. Ah, c'est tout là-bas. Bon, ce que je vais faire, du coup, c'est qu'on va aller visiter ces points d'interrogation qui sont juste au nord, là. Alors, on va aller chercher Ablette. Ah, il est derrière la baraque, évidemment. Bon, on va faire une coupure et puis je vous reprends dès que on sera vers un point d'intérêt. Donc on se reprend maintenant. On arrive vers un point d'intérêt ou point d'interrogation, je sais pas comment appeler ça. Il y a deux trois bestioles, je viens de me faire un petit clébard qui traînait. Il y a du bandit. Ah, voilà. Il est où l'autre? On va faire le tour. Voilà. Ah, j'ai fait trop fou. Ah, j'arrive à les charger un peu avec le cheval aussi. Je crois que ça leur fait des dégâts. Ah, ils paniquent. Le Ablette, ils vont me faire... Ils vont me désarçonner. Non, ça va. Voilà, découpé. J'ai quand même pris cher. On va prendre un petit peu d'hirondelle. On descend, on va voir ce qu'ils ont lâché. De l'eau de Vinen, ça c'est utile pour refaire justement mes potions quand je médite. Bah, pas grand chose. Par contre, le trésor c'est ici. Du lingot de Dimeritium. Dimeritium, pardon. La chère dyslexie, d'accord. Épée d'Orienne, objet rare, on va voir ça. Puis là, il y a encore un cadavre qui traîne. Oh là, ça a vibré. Ah, ça a vibré parce que je me suis cramé. J'ai la sale habitude de marcher dans le feu. Il n'y a rien d'autre ici. Ah bah oui. Pâte alchimique. Rien d'autre, rien d'autre. Si, mince, voilà. Lingot de météorite. Bon, c'est sympathique tout ça. Je crois que c'est fini. Il y a des chiens par là. Ah ouais. Ah ouais, bien découpé. Hein. Bon, on va quitter cet endroit. Je vous reprends tout de suite dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. On va écumer la région, on va voir, on va essayer de pas se faire buter. Et c'est parti. Alors, on se reprend ici, on arrive gentiment vers un autre point d'intérêt. Vous remarquez que j'ai cette fois mis une marque sur la map, hein. C'est quand même plus facile pour s'y retrouver. Ok, il y a des constructions loin. J'y vais gentiment parce que des fois je... Oh là, c'est quoi ça? On va prendre Igni. Ah, je peux pas utiliser. Inflige des dégâts de feu, c'est bizarre. Je pourrais pas sélectionner. Oh, 15. Au secours. Merde. Chut. Ah, j'ai mis mon bouclier. Et mais j'y arriverai jamais. Je lui ai rien fait à ce mec, hein. Oula. Bon, vous savez quoi? Je crois que c'est pas pour nous, hein. Je lui ai mis plusieurs coups, je l'ai pas vu bouger, il m'en a mis un, il m'a... il m'a enlevé toute ma vie. Oups là, j'ai pris de l'hirondelle. Ablette, reste pas là-bas. Viens, viens vers papa. Mais il est en train de taper Ablette. Je vais m'éloigner à pince. Ah, je vois un autre ennemi sur la map, là, c'est... Ça, c'est quoi? C'est... tout ce que tu sais faire, ça. Ah, d'accord. Ça, je devrais pouvoir me le faire. Voilà. En plus, j'ai utilisé mon bouclier pour une fois. Mutagène vert. Bon, il y a encore des... Comment ils s'appellent? Des Negva. Des... Non, des Necker. Mince. Ah, le fail. Le coup dans le vide. Alors, œil de Necker, griffe de Necker. Bon, on va avancer encore un peu par là, mais il va falloir qu'on aille sur un autre point d'intérêt. Là, c'est pas comme ça que je gagnais beaucoup d'XP. Ouais, là, j'utilise un petit peu plus l'esquive. Ah, un mutagène bleu, bon. J'aimerais un rouge, moi. Ablette, est-ce que Ablette revient? Voilà. Fini de se faire taquiner par le gros machin, là. Donc là, c'est pas pour nous maintenant. Voilà, niveau 4 contre du niveau 15, ça va pas le faire. Bon. Donc nous, on devait aller par là-bas. Bah, pff, pourquoi pas, on va tout traverser là, aller au nord, voir si c'est faisable, et puis ensuite replonger vers le sud. Je vous épargne le trajet. Si jamais il y a quelque chose en route, eh ben, je reprends l'enregistrement. A tout de suite. Ah, on se reprend ici, là. On a des bandits. Ah, juste loupé. Viens par là, toi, le nudiste. Et de deux. Ah, je l'ai loupé. Ah, les connards. Faut pas que je reste là au ralenti tout près d'eux à chaque fois. Allez, bon. Loupé. Allez. Ah, le salaud. Allez, on va essayer de l'esquiver un peu mieux. La... Ça fait des petites explosions avec ma... Si je le déconcentre ou le souffle télékinétique, c'est plus sympa. Ah mais je... Il est chiant avec son bouclier. J'arrive à mieux que ça. On va faire tac comme ça. Je tape que sur son bouclier, c'est pas possible. Ouais, il va péter ou si je manipule son esprit. Voilà, c'est plus ça. Voilà, il faut que je bouge plus de Dieu. Tout ça pour ça. Ah d'ailleurs, j'avais une épée à checker tout à l'heure, j'ai pas encore regardé. Alors, de la pomme, on va manger d'ailleurs au passage. Du poisson séché. Ça, c'est des gens qu'ils ont tués. Un peu d'eau. Bon, les épées longues, on peut les revendre. J'espère que je suis pas trop encombré là. D'ailleurs, au niveau de l'inventaire, il y avait cette épée, un objet rare, épée en acier. Non, elle n'est pas aussi bien que celle que j'ai maintenant. Non, pour l'instant, je suis mieux stuffé que ce que j'ai là. Il faudra tout vendre. Ok. Bon, alors, Ablette. Ah, il y a encore un cadavre là. Pas gâché, hein. Bon. Ah, il est là, mon cheval. Oh, c'est pas mon cheval. Si, c'est Ablette, mais pourquoi elle part? Ok, bon, bah je vous reprends dès qu'on est arrivé au point d'intérêt. Ah, les amis, je vous reprends ici. Il y a des bandits. Voilà, on a loupé. Encore loupé. Voilà. On s'éloigne un poil. On va les recharger. Allez, un bon coup de revers dans ta gueule. Et voilà. Presque fluide. Et le dernier pour la route. Et voilà. Ah, je commence à m'y faire un petit peu là. Ça commence à viendre. Alors, pas grand chose, hein. Beaucoup de quincaillerie dans ce bordel. Ouais. Est-ce que je peux méditer un peu là, d'ailleurs? Je crois que je sais même pas si je peux méditer là, s'il y a des ennemis ou pas. Ah oui, ça marche. J'ai médité jusqu'à 6 h du mat. Ça a rempli mes petites fioles. Par contre, j'ai une épée qui commence à souffrir un peu. Bon, c'est pas tout, mais... Bon, on n'est plus qu'à 200 pas du point d'intérêt. On va galoper dessus. Il y a des chiens errants. Oh, il y a beaucoup même. Je sais pas ce que je vais avoir comme niveau en face. Hein. Pas dit que je puisse résister. C'est quoi? C'est des oiseaux là-bas en haut? Il y a du chien sauvage. Oh, j'aime pas ça. Aïe, merde. Qu'est-ce que je dois faire? Ça a des pattes, ces machins, ça a des jambes. Oh là là, un griffon. Alors, le griffon, c'était le souffle télékinétique. Mais pourquoi je peux pas l'utiliser? Il y a un truc qui me perturbe là. Peut-être parce que je suis sur le cheval. Oh, 14, non, on oublie les gars, on oublie, on se casse. On oublie très gentiment. Ça, je peux pas me faire des niveaux 14. Bon, bah écoutez, je vais essayer de trouver un autre endroit un tout petit peu plus faisable. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, on se reprend ici. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, les gars, là. Parce que, déjà, faut que je vous avoue une chose. Il y a à peu près 3 jours de décalage entre la coupure d'avant et ici pour différentes raisons. Enfin, bref, c'est pas très intéressant. Mais je me galère à fond pour me faire les points d'intérêt parce que ça va du niveau 4 à 20 et là il y a du 7. Et je crois qu'il faut que j'avance dans la quête principale parce que là j'ai vraiment pas assez d'XP et je me galère avec les mobs. Déjà que j'ai un skill de à moins 150. Donc ça devient vraiment difficile pour moi dans ces conditions. Je vais juste voir un truc au niveau de mon inventaire. Est-ce que j'ai des bombes ou des trucs? Alors balancer dessus, ça pourrait me permettre d'avoir un meilleur succès. Qu'est-ce que j'ai là? Du Samum aveugle les adversaires situés. Donc on va essayer de courir là-bas. On va sortir déjà l'épée. Et puis comment je balance cette histoire déjà? Voilà, il faut que je le sélectionne. Et puis que je leur jette ça au milieu. Alors un petit peu de feu. Voilà, on va essayer de juger un peu mieux les esquives et les parades. Enfin surtout les esquives, déjà les parades j'ai vraiment de la peine. Là eux ils me bloquent un peu. Hein. Allez brûle! J'y vais moins bourrin que les autres fois. Est-ce que ça a marché? Qu'elle va finir par cramer. peux en buter un au moins. Ah merde. On va prendre un peu de potion. Et il brûle. Eh merde, j'étais trop loin. Ouais, tu vois, la malédiction dans ta gueule. Oh, c'est chaud quand même. Allez, plus que deux. Allez, bois de la potion. Ah non, là, je bois pas de potion. Culeur de chèvre, non, ouais. Voilà, avec une bonne finition. Oh putain, je retenais ma respiration là. Oh là là, bon. J'y allais vraiment trop comme un bourrinos, mais 3 niveaux là, je commence à les sentir. Hein. Je commence méchamment à les sentir. Alors, oui, bon, du pain, de la hachette. Il y en a encore un peu par là. J'espère que au moins dans le trésor, ça va valoir la peine. Ça m'a même pas fait tant d'expérience que ça. Hein. Minerais, petit mamataire, je connais pas tout ça, mais ça a l'air pas mal. Épée longue, livre gardienne. On va tout prendre. Est-ce que, au niveau des armes, j'ai un truc qui est un peu mieux que... Oh, la hache, elle fait vraiment mal. Tiens, j'ai jamais essayé la hache. Pour le reste, une hachette, ouais, ça fait mal. Il y a un niveau requis. Plus 18, 50, 62. Oh, tiens, on va essayer un petit peu la hache. Elle est pas magique, elle est rien, mais... Bon, il y aura de la ferraille à revendre ici, les amis. Ok, du pain. Ça, je verrai un petit peu plus tard. Et puis là, je commence à avoir du fric ici. Un rasoir. Vous pouvez vendre ceci aux marchands. Bon. Très très bien. Puis du coup, mon épée est un peu foutue aussi au passage. Voilà. Rappeler le canasson. Et puis... Donc, il faut continuer à aller au sud-ouest pour la suite de la chasse à la sorcière. Hein. On va avancer un petit peu là parce que je suis niveau 4,5, même pas. Bon. Allez, go. Petit cheval. Allez, je vous laisse le voyage. Ça ne doit pas être trop long. Bon, 500 pas quand même. Des fois que... Il y a 2, 3, un peu d'action. Ça me saoule de couper et de remettre là pour une minute. Pour être totalement franc. Ah, tiens, il y a moyen de faire une quête là. Non, allez, on se tient à ce qu'on a dit. Ça, c'est quoi? C'est des livres gardiens? Ouais. Allez, poussez-vous. Ouais, excuse-moi, mec. Tac, tac, tac. Encore 400 pas. Des bandits. Ah, on va essayer de voir ce que la hache est capable de faire. Mince. On va moins vite. Oh, à cheval, j'ai encore pas eu des bandits. Ah, loupé. Ah. Oh ouais, j'ai désarçonné carrément. Viens là. Allez, on tourne. Ah, loupé. Ah, par contre, lui, il m'a pas loupé. Puis pour aller moins vite. Allez, n'en tourne plus. Allez, on va faire un coup puissant dans sa gueule. Ah ouais, c'est intéressant, cheval contre cheval, mais avec une hache, la portée, la longe, je veux dire. Oh là, il m'en a foutu une bonne. On n'a pas fait trop de dégâts pour le coup, je me serais imaginé pire. Bon, avance. Ah! On va bien me le faire. Peut-être que je devrais descendre, hein, pour le coup. Allez, on va descendre. Si je lui fais le souffle télékinétique, Ah, je me suis pas retrouvé dans cette situation encore non plus d'avoir un mec. Eh mais... Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Mmh. Ah voilà, c'est maintenant que ça marche. Voilà, bon. C'était pas vraiment esthétique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Ablette. Oh, il y a encore des bandits. Ouf. Bon, allez, on va tracer. Quand ça me saoulait, de toute manière, pour l'expérience ça me rapporte. Je sais pas pourquoi je m'énerve. En plus, c'est un spectacle déplorable. D'ailleurs, là, ils me poursuivent pas. Allez, on avance. On n'est plus qu'à 140 pas. Et voilà, on se retrouve dans le village. Ouais, descendons. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubreuil où elle réside. Alors, est-ce qu'avec la vision infrarouge, là... Bon. Allez, on va lui causer. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez parlé de sorcière? Bah ouais. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chic. On a des bouches à nourrir pourtant. Bon. Comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Bon. Alors, je parlais au paysan qui rend son visite à la sorcière. Donc, il est en train de glandouiller dans le jardin. C'est lui? Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. Je vais lui faire une Obi-Wan Kenobi. Alors, on échange de quelques quoi, hein, niveau 1, vraiment. Ah, apparemment, ils me mettent en garde, ils ont pas envie. Genre, il est sous l'emprise de la sorcière et puis ça va... Ouais, d'accord, je vois le genre. Allez. Quelques couronnes pourraient vous rafraîchir la mémoire. Ma foi, c'est vrai que vu comme ça... 50 couronnes. Hein. Du village, il y a un petit chemin pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre? Ben, les chasseurs de sorcières. Vous avez eu affaire à des chasseurs de sorcières? Non, mais on en a entendu parler. Quand je vous ai vu arriver, avec vos épées et tout, j'ai compris que les histoires disaient vrai. Je suis sorceleur, pas chasseur de sorcières. Mmh. Ben, c'est pas la même chose. Mais non! Eh oui, je vais être gentil. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Oh, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Bon, les gars, je crois qu'avec tous ces enregistrements-là, on arrive gentiment à un épisode d'une demi-heure. On va s'arrêter là pour... je pense que ça va prendre du temps d'explorer le coin, etc. Donc, je vous propose la sorcière pour le prochain épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.